Eh bien, bien, bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté, je poste pas souvent. Mais, en fait, donc, à l'accueil de loisirs où je travaille, donc là, pendant les vacances, on va faire une chasse aux œufs. Et pour leur chasse aux œufs, donc, je vais leur faire faire un petit panier en forme de lapin. Bon, ça, c'est un modèle, c'est la base que j'ai fait. Donc, c'est un tout petit. Donc, j'ai réussi à agrandir le gabarit. Donc, j'ai déjà commencé le collage, bon, le découpage. Donc, j'ai mon gabarit qui est là. Je fais attention de ne pas l'abîmer parce que, vu que c'est celui pour le boulot, de ne pas l'abîmer. J'ai déjà fait tout mon tracé, j'ai déjà découpé. Et après, je me suis dit, ça pourrait être sympa de le finir avec vous. Donc là, je pense que ce sera. On va y faire en deux fois. Parce que dans 20 minutes, je vais devoir aller. 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je vais devoir aller promener le chien. Et après, je retourne au travail. Donc là, j'ai déjà fait ma base. Donc j'ai découpé les petites pointes là. Ensuite, j'ai plié. Et j'ai commencé à décorer. Donc là, j'ai mis une petite bande de washi, donc c'est celui-là. Et je me suis dit, après, pourquoi ne pas l'embellir un petit peu plus avec plus de déco? Donc j'ai récupéré sur une ancienne création des petits nœuds comme cela. Donc je pense que je vais en mettre un à chaque coup de lapin. Donc je vais mettre mon pistolet à colle, c'est celui-là à chauffer. Donc je pense que je vais faire un peu de place parce que j'ai plus de place. Donc là en fait je suis en train de réorganiser ma chambre, donc ma chambre où j'ai mon bureau, de façon à avoir plus de place et niveau rangement et tout ça. Quelque chose qui sera beaucoup plus pratique ensuite pour moi. Donc je suis désolée, hein, là il y a un bout de bureau. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment poser correctement ma caméra. Ça va être gêné. Mais tu m'embêtes le Google là. Parce que je t'ai rien demandé. Non mais oh. Je suis en train de vous parler, puis j'ai le Google qui se met en route et qui répond à ce que je lui demande. L'autre jour, je ne sais plus ce que je disais, on parlait avec ma mère, je sais plus ce que je disais, puis il m'a répondu oui, tout à fait. Donc je pense qu'on aura nos petits nœuds par là. Après, pour les yeux, je pense que je vais me servir de strass. Avec des petites chenilles comme ça, je pense que je vais essayer de leur faire des petites moustaches. Pour voir ce que ça donne. Bon, on va déjà fixer les nœuds. Comme ça, je serai sûre de ne pas les perdre. Donc, une petite pointe de colle chaude, évidemment. Il y a des fils. On se croirait en pleine fondue. Donc, le papier, c'est un bloc de chez Action. Un 30-30. Donc, je pense que vous le connaissez tous, c'est celui-là. Avec tout ce qui est plume, tout ce qui est. Voilà. Que je vous montre quand même le papier que j'utilise. Ce serait pas mal. Après. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il fait beau, mais pas hyper hyper chaud. Donc je sais pas le temps qu'il fait chez vous. Après, je sais pas quand vous aurez la petite vidéo. Donc je pense que si j'arrive à faire ce que je veux et que ça me plaît, ce soir la vidéo peut être postée. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, petites plumes. On va déjà voir pour les yeux. Alors,
Donc en fait, celui-là de lapin, ce sera. Je l'offrirai à ma nièce pour Pâques. Avec des petits chocolats dedans. Bon, violet non, parce qu'après, ça ressortira pas. Des blancs, ça peut pas. Bon, après, je sais pas du tout ce que ça donnera. Donc, je vais utiliser ces strass-là. Donc, là, je vais prendre les fleurs. Ce qui peut être très original. Je pense que je vais faire un mixte avec. Ah, bah mince, j'en ai que deux. J'en ai plus que deux dans celui-là. Ah, peut-être les. Non, parce que si je mets du violet encore sur du violet, ça. Faire un petit peu trop de violet, donc je vais couper pour l'instant le pistolet à colle, ça sert à rien qui chauffe si je m'en sers pas tout de suite. Mes pompons, je dois avoir des petits pompons pour le. Faut que j'aille voir ce qu'il me reste en mini pompons. Donc je finis de coller mes yeux et je vais vite voir ça. Non, puis je vous ai pas raconté, mais là en fait donc je suis en plein rangement, je suis un peu dans, on va dire, nettoyage de printemps, on peut dire ça. Et quand j'ai voulu l'autre jour déplacer mon lit pour pouvoir nettoyer en dessous, et ben mon lit il a fait crack. Donc en fait là, comme vous voyez, donc je fais camping. Donc c'est encore un peu le bazar, on voit bien, un peu partout là. Mais voilà, donc je fais un peu camping. C'est le temps d'avoir un lit, donc j'ai aussitôt recommandé un lit sur Amazon, puis il est censé arriver aujourd'hui. Mais là, ce que je pense que je vais attendre ce week-end pour le faire, parce que ce que je vais essayer de faire, s'il fait beau tout ce week-end, c'est mettre tous mes meubles hors de la chambre, donc probablement sur le balcon ou dans le couloir, et tout nettoyer à fond. Donc je me dis samedi matin, bah déjà vendredi après-midi, je pourrais commencer à dégager un petit peu tout ce qui est qui craint pas, et mettre dans un coin. Soit le samedi, je vire tout dehors, je mets tout dehors, j'ouvre grand les fenêtres et je passe un grand coup de serpillière partout dans ma chambre. Je vous laisse 5 minutes, je vais voir où si je retourne mes pompons. Bien sûr, ne partez pas. Bon, j'ai me revoilou. J'ai retrouvé mes petits pompons. Donc, comme vous voyez, une grosse boîte avec pas grand-chose. Donc je pense à faire que je refasse le plein de pompons. Là, ça fait peut-être un peu gros. On va essayer avec un plus petit. Ouais, on va prendre des tailles plus petites. Alors j'ai jaune, un bleu, vert, un rouge. De toute façon, c'est les couleurs que j'ai. Hop. On va faire que je prévois d'en racheter. Donc, en fait, donc, ce que je vais faire. Non. Parce que j'essaye au fur et à mesure, en fait, quand je vois qu'il manque des choses, de les marquer sur un petit carnet. Donc, il va y avoir des bâtons. C'est vrai que là, mes petits carnets, mes bons carnets, ils sont tous pris, donc j'ai pas vraiment un bon carnet pour le moment. Bah, c'est pas qu'ils sont tous pris, c'est vu que je suis en rangement, je ne les ai pas sous la main, donc j'y marque sur un petit bloc
des sticky notes de chez c'était Action, ça. Bah, j'aime bien en fait, j'en ai un autre là. C'est vrai que c'est quand même assez pratique, t'en as toujours sous la main. Et j'ai dit pompon. Hop là. Donc les pompons, on va remettre le fer. Le pistolet à colle à chauffer. Et alors, oh, je vais utiliser. Puis je vais préparer mes chenilles. On va prendre des pastels. Les violets, on va faire violet, bleu, le vert et rose. Bon, je vais pas les mettre tout en entier. Ah, bah, je peux. Faut que je vois comment les mettre. C'est à mon chien. Comment il va, mon Icar? Fais dodo, bébé chien. Après, il va falloir que je l'emmène faire son petit pipi. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Attention, on teste, on verra bien ce que ça donne après. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais. Oh, j'ai encore 10 minutes. Oh, par contre, le seul souci, en fin de compte, vu que là, le gars, il est censé me livrer. Je suis censée recevoir mon lit aujourd'hui. Mais quand tu travailles, tu dis ce serait bien qu'il livre au moment où tu es chez toi. Donc on va espérer qu'il va me livrer avant 11h. Comme ça, déjà, je sais que le lit, il sera là. Puis après, ça va pas être pratique pour aller chercher parce que vu qu'il y a le sommier avec, donc puis vu que j'ai pas forcément une grosse voiture, moi je trouve que c'est pas mal, ça rend bien comme ça, c'est tout mimi. Mais oh, merci. Petit crayon. Donc voilà. Ah, attention, je vous le montre. Ah non, si, ça rend bien. C'est tout mignon. Regarde. Oh, c'est trop mimi. Il est trop mimi. Oh, il a perdu un œil. Ah bah non. Il l'a pas perdu. Ils sont pas à la même hauteur. Alors, lui, on lui met du bleu. Et donc j'ai aussi en panier, je vais aussi leur faire une poule. Donc pour ceux qui suivent la chaîne de Rose Bonbon Conco, elle en a fait, elle en a montré hein, la semaine dernière. Elle en a fait un en poule la semaine dernière, donc c'est le même. Donc ils auront le choix, soit lapin, soit poule. Après, s'ils peuvent choisir lapin, ça m'arrange parce que c'est quand même plus mignon. Et donc on part sur le thème Moyen-Âge. Moyen-Âge et on va dire un peu princesse. Puis bon là il est plus. C'est juste une base. Je vais aussi leur faire une sorte de petit carrosse en pliage. Donc on pourrait le faire aussi ensemble. Ça c'est pas un souci. Un deuxième petit lapinou. Ça c'est. Si je peux avoir au moins la base de décoration, je peux y prendre en photo. Comme ça, je peux y montrer à ma chef des vacances, voir ce qu'elle en pense. Parce que je pense que si on leur fait un petit panier, faut qu'ils aient quand même quelque chose de mignon. Ok.
qu'ils puissent ensuite ramener. Donc ça, ce sera... Bon, niveau papier, par contre, ils n'auront pas le même, parce que vu que c'est mon papier, à moins que... Vu que j'ai plusieurs fois les mêmes blocs, que je peux en sacrifier un. Donc je pense que c'est ce que je ferais, parce que ce serait que ça peut être plus sympa avec un papier un peu décoré. Donc après, ça dépendra du bloc, hein, parce qu'il y en a certains, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc je pense qu'on est tous un peu pareil. Quand on aime bien un bloc, on a du mal à le toucher. Celui-là, on va dire, ça doit être une des premières fois où j'utilise une feuille de dedans. Mais je pense que je ferai ça par rapport au papier. Je ferai avec. J'emmènerai un ou deux de mes blocs. Bon, pas tout ça. Après, si vous voulez, je peux vous ferai une vidéo avec tous mes blocs. Là, je vais vous montrer après vite fait avant d'arrêter pour ce matin la vidéo. Puis après, je vais aller sortir un pitbull. Vu qu'en plus là il commence à refaire beau, donc là on y va à pied au boulot. Bon, après je pourrais presque y aller en voiture, parce que si le gars il vient me livrer, ouais, je pense que je sais pas, je pense qu'on va peut-être bien y aller en voiture aujourd'hui. Comme ça, s'il vient m'appeler avant la fin, tout à l'heure après le travail, pour dire qu'il arrive, je serai plus vite arrivé qu'en voiture, qu'à pied. Donc si j'y vais en voiture, j'ai un peu plus de temps avec vous. Ça, c'est cool. Donc voilà, ma base, mon début. Donc là, en fait, je vais, tant que ça sèche un peu, je vais vous montrer un peu une partie de mes poissons. Ils sont... Donc là, sur cette étagère, en fait, on a des blocs de papier et on a ceux-là. Je l'ai dit, plus petit, tout le monde là, là-dedans, c'est des feuilles détachées. Bon, ça, c'est des coloriages. Ensuite, ici, donc là, j'ai des collections de feuilles, des feuilles détachées, du papier. Là, c'est des blocs de feuilles avec des couleurs. Tout en bas, c'est mes blocs actions. Et j'en ai aussi, bon là, là je peux pas vous montrer, mais j'en ai aussi dans ma commode qui est là. Donc ça fait pas mal de papier. Bon, on va dire, en fait, vu que je vais pas régulièrement dans Action, puis avant ils étaient assez loin de chez moi. Donc quand j'allais à Action, pour moi c'était j'en prends deux ou trois, surtout quand les blocs ils sont sympas. Et au moins, de toute façon, je pense qu'on est un peu beaucoup pareil, on aime bien en prendre plusieurs, comme ça on regrette pas. Le coup d'après, on y va et qu'il n'y a plus rien. Donc là, j'ai fait ma décoration. Ça m'embête cette caméra là. Ah voilà. Donc j'ai mis des pompons avec un petit pour faire le nez, les moustaches. Bon, les yeux, on les voit pas beaucoup parce que c'est des petits strass, un petit nœud et un washi. Et là, on va les assembler. Donc en fait, quand on découpe, là, comme vous voyez, il y a des petits doigts en coche. Donc, c'est tout simplement pour assembler notre lapin. Donc, on va refaire une petite pliure. Bon, le seul problème, c'est vrai qu'avec le papier d'action, le seul problème, c'est que ça s'abîme vite. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Mais moi je trouve que ça peut être très sympa. Ah ouais, c'est trop kiff, c'est trop mignon. Ah mais non! Oh! Donc voilà, une fois monté, ce que ça donne. Et je trouve qu'avec les chenilles pour faire des petites moustaches,
C'est très sympa. Bon, après, peut-être qu'on va les tailler un petit peu parce que ça fait un peu gros. Donc, on va faire un peu de taillage. Ouais, c'est mieux à peine plus petit. Ouais, bon, là, je sais, vous voyez pas grand-chose de ce que je fais. Mais bon. Je retaille juste les moustaches. Bon, ça aussi, déchiné, je pourrais, je pense, dans peu de temps, y marquer pour en racheter. Voilà. Voilà, donc, un peu plus petit, je pense que ça va mieux. Ensuite, j'ai dit que je voulais essayer de voir, peut-être pour... Bon, on va déjà faire les trous. Pour où je mettrai ensuite les rubans pour les antennes, pour le panier. Hop, on va mettre. De toute façon, oh c'est genre, pas de temps, mais j'aimerais bien que mon lit il arrive. Des petits œillets. Oh bah mince. Oh bah mince, il est tout abîmé celui-là. Puis après, en fait, je mettrai des rubans pour faire les anses. Hop. Bon, les yeux, les yeux me choquent un petit, me gênent un peu, mais bon, c'est pas grave maintenant que c'est fait. Ensuite, des petites plumes. On va en sortir plusieurs. Donc ça, c'est... des plumes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. Donc c'était dans le rayon pack. Donc c'est des plumes de pack. Après, je vais essayer une chose aussi. Alors, on va faire ça. Hop. Un petit bout de ruban. Je ne sais pas comment ils sont mes rubans à l'intérieur parce que chaque fois que j'en coupe un bout, bon, en fin de compte, je le laisse. Hop, je vais essayer de voir en mettant un petit bout de ruban en bas ce que ça pouvait donner.
fait, là, vous voyez même pas ce que je fais. Donc, en fait, j'essaie de faire passer mon ruban dans les petits trous. Hop. Faire le tour de mon lapin. Hop. Bon, si je vois que si ça va pas, de toute façon, c'est vite fait, je l'enlève. Hein. Ouais, non, ça apporte rien. Donc, on va pas le mettre bien loin, ça servira pour les antennes. Pour les antennes. Ouais. Pareil, les plumes, je suis pas sûre que je les mette. Hein. Alors, bon, bah, je vais arrêter là cette vidéo. Je reprendrai soit cet après-midi. Bah, non, cet après-midi, je rentre pas du travail, je reste au travail. Parce qu'on fait de la prépa. Donc, je pense que je le finirai ce soir ou demain. Et que de toute façon, bah, vous verrez. Puis si j'ai pas le temps de le finir, bah, je vous aurai le résultat après. De toute façon, ce qui est possible aussi, c'est que je laisse comme ça, que je ne fasse pas plus. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Ah, mais... voilà. Donc, voilà, vous avez... On va faire avec le côté là où c'est le plus... La tête du lapin. Hop là. Les petites encochons. On voit pas. Donc voilà. Donc là, j'ai les trous pour les panières. Et donc, en fin de compte, quand on regarde par rapport à l'autre, on a bébé, maman. Il faudrait papa. Une taille encore au-dessus. Donc, bah, je vais vous montrer un coup ma tête quand même avant d'arrêter. Donc là, je vais vous dire à tout à l'heure. Ou si c'est pas fini aujourd'hui. Après, je vais peut-être le finir hors caméra, ce qui est possible aussi. Donc, de toute façon, je vous mettrai une vidéo de la fin si je finis pas par caméra. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne fin de journée. Donc, moi, là, je vais aller promener bah, le petit chien bah, qui a disparu, qui est même plus sur le lit. Et après, de toute façon, je vais vite retourner. Ouais, j'ai un petit bouton, là. Je sais, c'est pas beau. Après, je vais retourner au travail pour... les 2 heures de pour les pauses de midi. Et moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao, gros bisous à tous. Bye bye. Oh mon bazar.